cinquième place hier soir dans le concours général, sachant qu'aujourd'hui, nous suivons le concours par engin. Avec sur la moquette de Vienne, Magdalena Breska, concurrente allemande que je vous demande de bien suivre. C'est une des grandes stars de la GRS. Magdalena Breska qui nous a proposé sa minute 30 de démonstration sur un thème orchestré de façon un petit peu moderne, mais que vous avez sûrement reconnu, de Frédéric Chopin. Magdalena Breska qui a terminé 7e au classement général des 4 engins. Cet après-midi, nous suivons les spécialités. Ce concours, ce classement de la finale a été remportée donc par Maria Petrova, la Bulgare, devant la Russe Amina Zaripova et l'Ukrainienne Ekaterina Serebryanskaya, qui a vraiment obtenu les faveurs du public. Le résultat a du reste été un petit peu conspué, dirais-je, par le public autrichien. Ekaterina Serebryanskaya, nous devrions la retrouver un petit peu plus tard dans ce reportage, et là ce sera vraiment un moment tout à fait magique. Alors Magdalena attend ses notes, un petit peu à l'image de la zone Kessengra et du patinage artistique. Magdalena attend ses notes en compagnie de son entraîneur. Les notes, il y a 8 juges qui notent chacun sur un maximum de 5. 4 juges notent pour la composition, 4 autres pour l'exécution. S'il fallait faire un parallèle, ce serait donc la note technique plus la note artistique. Magdalena Breska se classe pour l'instant en 5.